Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Sector avec l'UAF. Alors, on était en train de retourner voir notre contact de l'UAF justement pour qu'il nous donne... Oh, attends, on a un Survey Balran World qui vient juste d'apparaître là, de l'Aurora. Il est... Ah, c'est un peu loin. Dommage. Un peu loin. Donc ouais, comme je dis, on est un peu mieux équipé pour l'exploration et en plus on a des localisations de dépôts rares et ce genre de choses qui sont vraiment juste à côté de la zone où on est. Donc en fait, je pense qu'on pourrait aller faire ça dans cet épisode. Ça pourrait être pas mal, honnêtement. Non, c'est pas à Nemphayet, c'est à Nur qu'il faut qu'on aille. Bon là, quand même, en 3-4 épisodes, on a notre flotte qui a bien progressé, quoi. J'aimerais bien me trouver une bounty, si possible, pas à l'autre bout de l'univers. Ah, il me propose de me vendre un Shinoria pour 66 000 crédits. Ah bah, j'ai que 23 000 crédits disponibles. Alors attends. Challenging. Oh, il est dans la direction où on voulait aller à 19 années-lumière. C'est quoi comme truc? Ah bah justement. C'est de l'Aurora ça. Donc c'est un déserteur. Donc si on va les détruire, on peut récupérer leur vaisseau et les garder pour nous. Bah, s'il n'y a pas trop de démodes dessus, ou au pire, les revendre derrière. Donc on va accepter celle-là. Bon, après, à 66 000 crédits, honnêtement... Tiens, tu veux pas un Coria? Bon, c'est que 15 000, je sais. On a 38 000. Je sais pas, est-ce que j'attends de revenir? Est-ce qu'il l'aura encore? Probablement pas. Je vais pas vendre un de mes vaisseaux rien que pour ça. C'est dommage. Surtout, j'aurais pas trop les moyens. Enfin, je sais pas, ça va pas être intéressant. Bon, le transpouffeur, ouais, j'ai rien qui ait une valeur si élevée que ça en fait. Si ce truc là, mais bon, je vais le garder ce truc là. Ça augmente l'extraction de matière organique, minérale et transplutonique de 3 unités. C'est énorme. Et surtout, on manque en plus d'équipage. Alors on le voit pas. Ah non, on est juste au-dessus, c'est ça. Mais le problème, c'est que... Ouais, je vais augmenter. Je vais partir avec 300 d'équipage de plus. Ou même 400 d'équipage. 500 d'équipage de plus. Parce que si on affronte l'autre et qu'on lui détruit ses vaisseaux, on va vouloir pouvoir les mettre des gens à bord de ses vaisseaux, justement. Peut-être. Ça serait pas mal. Et ensuite, bah, je vais faire le plein de ravitaillement pour qu'on aille faire notre mission, du coup. Voilà. Donc non, je n'achèterai pas ce vaisseau. C'est dommage, c'est une bonne opportunité, mais ce sera pour une autre fois. Après, s'il l'a toujours quand on revient, ça me va, quoi. Mais ça m'étonnerait. Ok. On va aller faire la bounty en premier. Et sur le chemin du retour, on va s'arrêter là où on a nos trucs de localisation, trucs riches là. On peut mossball, je sais, ouais. Mais au moins là, on va être tranquille avec ça. Donc c'est déserteur, là-bas. Let's go. Puis après, je veux dire, là, avec la flotte qu'on a quand même, je pense qu'on est, quand même pas dégueulasse, quoi. On va faire une sauvegarde avant quand même. Avant d'entrer dans le système. En plus, on est sur une belle diagonale de trucs sans tempête. Bon, j'ai rien dit. Il n'y a plus maintenant la diagonale. Eh zut! Bon, c'est bon. Toi, tu me fous la paix. Ah, attends. Par contre, il y a un truc qui me perturbe. Pourquoi j'ai que 15 de... Lui il est à 10, lui il est à 10, lui il est à 9, 9, 10, c'est le maximum burn. Hein. 8, alors attends, ah mais attends. Plus 8 pour le plus lent,
plus 100%, plus 1, plus 1, plus 0. Ah, c'est à cause du fait qu'on soit dans l'hyperespace. C'est à cause de... Ouais. Okay. C'est juste à cause de... des nuages, en gros. Ah ben, on aurait pu exploiter le truc, là. Ah non, ça nous emmenait pas exactement où on voulait. Est-ce que c'est là ? Svarog. Ouais, c'est là. Let's go. Ok, alors. Pas comme ça, on va sauvegarder avant. Allez, on va essayer. A priori, il y a quelqu'un à côté du jump point, bah c'est lui. Bonjour, bonjour. Ok, donc il a un Exoria, deux Exoria, mais ça c'est un Exoria standard. Un Lilaru, un Lovella, quelques frégates derrière. Et après c'est Freighter, standard... Ah, il a quand même quelques frégates, standard, suppresseur, harasseur. Ouais, mais après il a 1, 2, 3, 4, 5 Fighter Wing. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on en a plus que lui. Par contre, on a le Cold Blossom qui a une combat readiness qui est pas génial, génial. Ok, bon bah on va engager. Tout. Let's go. Ce que je vais faire, c'est... Toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas aller là-haut. Et vous deux, vous m'escortez, en gros. Ok, c'est bon. Alors, faut pas que j'aille trop vite parce que les autres, ils sont lents derrière, en fait. Où est-ce qu'ils sont? Ok. Je crois qu'on commence à avoir du monde par là-haut. Yes. On voit mes chasseurs engagés. Plus mes missiles. Pas mal. Allez, finissez-le. Oula. Ouais, on a leur truc à eux. Ok, ça, ce serait pas mal à engager. Regrouper, par contre. Engagez-le. Trike. Trike. Toi, je vais t'enlever cet ordre pour que tu nous rejoignes parce que t'es en train de te fighter tout seul. Pas une bonne idée. J'essaie d'engager un peu leur chasseur. Ah mais c'est pas le même vaisseau que le mien qu'il a là. Eh mais pourquoi? Putain, mais je croyais avoir mis mon bouclier. En fait non. Ok, ah ça va. Engagé. Recule, 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 recule. Ok. Un petit peu mieux, mais j'ai malheureusement l'impression qu'on n'arrive à rien faire contre eux, quoi. Ouais, engager l'Exoria. On va essayer de pivoter et d'engager l'Exoria.
Enlève-moi cet ordre aussi. Et enlève-moi l'ordre de... qui est sur moi. Ouais, parce qu'on a notre Exoria à nous qui est en train de souffrir là. Pas évident, mais c'est moi où en fait tous nos chasseurs se sont fait tuer. J'ai donné un ordre aux miens de regrouper, mais ils ont pas l'air de regrouper. Attends, mais c'est... Ah oui, putain, c'est... Oh là là, ça manœuvre pas ce truc. Eh merde! Ah putain! Tu veux me faire défoncer. C'est que les vaisseaux de Aurora, ils ont un gros paquet de point defense. Ils ont des merves, je les ai pas vus attaquer. Le problème, c'est que je crois qu'on en a tué aucun des leurs. Ils en ont tué aucun des nôtres aussi, mais... Je me demande s'il vaudrait pas mieux combattre en retraite, hein. Comment on a du mal. Attends, comment moi je bats en retraite? À voler vers le bas. Ça bat en retraite ou pas? Comment ça marche ce truc? Ça marche pas? Putain, ça... Et j'étais en pilote auto, Carnblood. À la fin, j'avais remis le pilote auto. Au moins, l'Exoria a réussi à s'enfuir. Perdu un Minoria aussi au passage. Ouais, c'est ce qu'on va faire.
Vérifier que c'était bien la bonne. Je crois qu'on avait sauvegardé avant d'entrer dans le système. Au moins, on sait qu'on va gagner un level. Je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de remettre le vaisseau en automatique parce que j'ai l'impression de faire de la merde moi en pilotage. Et vu que mon vaisseau est censé être celui qui tape fort, quoi, si moi j'arrive à rien faire. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer effectivement de focaliser peut-être les Exoria en premier, rester groupés, focaliser les Exoria pour envoyer faire un Alpha Strike dessus. Ok, ça va, on était juste à côté. Eh ben. Ok. Mais non, mais en fait, ouais, c'est ça, il faut que je... Ouais, je peux leur dire de capturer, au pire. Ah putain, mais ça me coûte un point de commandement en plus, ça aussi. Pilote auto. Ouais, mais bon, si j'avais les sous, quoi. Ce serait pas mal d'avoir quelques... Parce qu'en fait, c'est vrai que lui, toutes les frégates qu'il a, ça lui permet de nous contourner, ce genre de choses, quoi. Ça, c'est pas génial. Ok. On a croisé une première frégate. Ok. Ok. Arrête ça, tout le monde. Allez. Mais j'étais pas en pilote auto. Mais what? J'avais remis le pilote auto. Ah ben on va se faire défoncer. Ah là, il est bien actif là. Je comprends pas ce qu'il fait du coup cet autopilote. Il se jette au milieu de tout le monde, il se fait tirer dans le dos et du coup on va se faire détruire. Ah mais j'ai plus de moteur en fait. Ils m'ont détruit le moteur. On n'a même pas effleuré l'Exoria. Incroyable, on n'est pas mort. Alors ils ont un vaisseau qui a battu en retraite.
même pas où sont mes vaisseaux. Ils sont tous les deux là. Si j'avais une semi-brève là, c'est parfait. On a perdu le. Ouais, on a perdu le code Blossom. Et fou, c'est que je vois pas où sont nos chasseurs en fait. J'ai l'impression qu'ils ont été tous détruits et. Alors qu'en fait, non. J'avais désactivé le bouclier sans faire gaffe. Perdu le full stop, génial. On lui a même pas fait un point de dégâts. Si, on lui a fait un peu de dégâts. Oh merde. Oh putain. Je vais prendre un gros missile dans le cul. On va se faire détruire. Laisse tomber. C'est trop dur. Que déjà, leurs frégates à eux, ils ont effectivement des missiles qui sont assez destructeurs. On va réessayer. Voir si on peut employer une tactique différente. Parce qu'en fait, je suis assez impressionné de leur capacité à démanteler nos chasseurs, en fait. Ok. Monte sur moi. On va essayer, ouais, peut-être de focus les petits en premier, ouais. Après, je sais pas à quel point ça aide de prendre le contrôle de ces trucs-là.
reculer un peu là parce qu'on s'est trop exposé. What? Déjà Minoria qui s'est fait démonter? Putain, mais on est déjà encerclé. Non mais t'es sérieux quoi? On va essayer de reculer. Et là tu vois, regarde, mes chasseurs, j'en ai un. Et tous les autres se sont fait défoncer en fait. Je sais pas où sont nos chasseurs. Si on regarde, on a quelques losanges verts qui traînent, mais pas tant que ça. Un peu quelques-uns là-haut aussi. Engager le mec qui est à l'arrière là. Oula, on s'est rentré dedans tous les deux, c'est ça, si j'ai compris? Ouais. L'Exoria s'est fait descendre. Il a un railgun ou je rêve? Le problème c'est que les autres ils ne reviennent même pas vers moi. Il n'y en a plus que 3 vaisseaux en gros. Exoria est tombé. Bon, après ils ont été que disablés, ils ont pas été détruits, mais donc au pire si on arrive à gagner on peut les récupérer, mais si on arrive à gagner quoi. Il y a un peu beaucoup de monde qui m'arrive dessus. Et je me suis bien fait défoncer. Le problème c'est que j'ai pas le choix, c'est ça où je me fais disable, et le problème c'est que je prends cher quand je fais ça. On va essayer de voir si Minoria arrive à s'enfuir, mais j'ai comme un doute. Hein. Soit on n'a pas un Alpha Strike suffisamment forte.
alors on a pas de... Parce qu'on le voit, quand on est en duel contre lui, il a des armes qui sont vachement plus puissantes que les nôtres. Ouais, on est d'accord, Kernblood. Bon, attends, je vais recharger à nouveau. Ah. Il nous manque au bas mot de vaisseaux, je dirais, mais je pense que surtout ce qui nous manque, c'est un meilleur équipement, de même juste du battleship, quoi. Ces espèces de petits canons que j'ai, ils sont pas assez bons, quoi, en fait. Parce que là, je le vois, je crois que c'était au moins un ou deux railguns qu'il avait. Je crois que c'est ça, hein. Donc si on retourne à Luna Moon, on devrait avoir plus d'équipement, déjà pour se rééquiper. Puis on pourrait voir un peu aussi sur les Exoria ce qu'on pourrait mettre. Et sur les Minoria aussi. Je pense qu'on a, pris vraiment effectivement le stuff par défaut. Mais c'est vraiment pas le meilleur, quoi. Alors attends, parce que du coup sur la route, ce que je voulais faire quand même, c'était... Ouais, tu vois, on a tout ça sur la route là. Pour essayer de voir si on peut aller explorer ça au passage. Alors, j'ai le jeu qui rame, par contre, c'est un peu compliqué là. Il vaudrait peut-être mieux que je le quitte et que je le redémarre. Ouais, voilà. Ok, alors on va faire une safe copy pour éviter de perdre des données, au cas où. Je vais vous laisser là pour cet épisode, du coup, désolé. Mais ouais, on va pas pouvoir faire cette mission. Donc ce sera pour une prochaine fois. Allez, salut à tous!